Donc moi c'est Samuel Langevin, donc je suis récemment secrétaire au club et auparavant j'étais éducateur des moins de 9, je le suis toujours. Mes deux filles sont au club depuis maintenant 3-4 ans. Je suis également pratiquant en loisirs. On a monté ce projet depuis le mois de février pour accueillir donc, des enfants en situation de handicap, mélangés, mixés avec nos enfants pratiquants. Donc aujourd'hui, c'est, la population, c'est des moins de des 7 à 11 ans. Puisque moi, je coach des enfants de 7 à 11 ans. Donc c'est pourquoi on a ciblé cette population. Le but de cette journée, vraiment, c'est de partager tous ensemble, malgré nos différences, passer un bon moment convivial à travers la pratique du handball au sein de notre club de Mios Biganos. Ben, en fait, c'est le tout, c'est de... apprendre qu'on peut faire du sport avec un handicap. Là, parce que moi, par exemple, bon, ça fait 18 ans que je suis en fauteuil, mais en fait, je fais pas autant de sport qu'avant, mais j'en fais des nouveaux que je faisais pas avant. Bon, j'ai pas appris à les faire parce que je connaissais, je les faisais comme ça, mais maintenant, c'est pour ça que c'est pas un frein. Faut arrêter de dire qu'on est handicapé, on fait rien. Non. C'est faux. On est handicapé, on fait plein de choses. Mais on les fait différemment que les autres. C'est tout. Tu roules. Enfin, c'est pas pareil du tout que faire du hand debout. C'est plus compliqué. Marie Poujol, bénévole pour le club de hand de Mios Biganos. Je travaille pour l'ADAPI de la Gironde. Aujourd'hui, l'objectif de cette journée, c'était de pouvoir, en partenariat avec le club de hand et l'ADAPI, mettre à profit une initiation autour du hand pour les enfants en situation de handicap, leur faire découvrir l'activité et pourquoi pas accompagner le club dans le partenariat autour de l'intégration et l'inclusion d'enfants en situation de handicap. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités? Abonnez-vous à notre chaîne Atlantique TV. Damien pose les questions pendant que je réponds au calme, 100% indépendant sur un média local.